Maya n'a pas encore compris que le succès repose sur le travail d'équipe. L'heure est à la sieste. Si les lions règnent sur la plupart des créatures qui les entourent, les mouches ont souvent le dernier mot. À l'inverse de sa sœur, Kimba semble gagner en maturité et ses talents de chasseur se confirment. Il a repéré une famille de phacochères. Il rejoint sa mère déjà à son poste. La troupe distingue un individu. Une lionne donne la charge et rabat le phacochère vers le reste de la troupe. Seulement trop absorbée par les insectes qui l'ennuient, Maya rate totalement son intervention. Le phacochère en est quitte pour cette fois. Ce devrait être une période de chasse particulièrement faste, mais les jeunes ne sont pas à la hauteur.